En ces temps de confinement en raison du Covid-19, qu'est-ce qu'on peut concevoir comme continuité entre l'école et la maison? Comment peut-on revoir ou plutôt accepter les limites du rôle des parents et de celui des enseignants? Quelle alliance éducative entre les adultes? C'est évident que l'école est un lieu très particulier. C'est un lieu symbolique où les enfants apprennent, où les enfants interagissent entre eux, interagissent avec l'enseignant tout le temps, et que ces interactions-là, c'est la base de l'apprentissage scolaire. C'est évidemment totalement impossible de refaire ça à la maison. Et donc, d'une certaine manière, il vaut mieux ne pas essayer de faire une pseudo-école à la maison. Il vaut mieux que les adultes qui sont là à la maison, qui s'occupent des enfants, se fassent confiance et fassent avec eux des choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils doivent faire au quotidien. Faire la cuisine, ça apprend à mesurer, à faire des proportions, à lire une recette éventuellement, et même aller faire le ménage en dessous de son lit pour un enfant, c'est quelque chose. Ça lui apprend quelque chose. Donc, le jour où les enfants devront retourner à l'école, parce que ce jour va arriver quand même relativement tôt, espérons-le, ben, il faudra que la discontinuité se rejoue dans l'autre sens. Et il faudra que les parents puissent redonner leur confiance aux enseignants pour pouvoir reprendre le dispositif pédagogique que l'école en main, sans que les enseignants ne se sentent trop contestés par les parents, par exemple, qui ont, entre guillemets, fait école chez eux pendant plusieurs semaines. Donc, le message général, c'est aux enseignants, prenons ça de manière calme. Les enfants apprennent pendant 15 ans, et donc, même quelques semaines, ça ne va pas être dramatique. Et aux parents, faites-vous confiance pour faire des activités avec votre enfant qui vont l'aider à développer ses cinq sens, qui vont l'aider à se repérer dans le temps et dans l'espace, qui vont l'aider à organiser son temps, et etc., etc. Faites-vous confiance.